Yo les mecs, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, une présentation d'application. Alors c'est une application vraiment sympa les mecs, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une application 100% football. Si toi devant ton écran, tu fais du football en club ou en amateur, etc, etc, cette vidéo peut t'intéresser. Alors c'est une appli vraiment intéressante, mais je vous le dis les gars, c'est un placement de produit. Donc voilà, c'est un petit placement de produit pour cette application qui s'appelle Tonceur, tout simplement. Une application qui vraiment m'a plu, que j'ai encore sur mon portable à l'heure où je tourne la vidéo et que je vais sûrement garder, parce que quand on fait du football en club, c'est vraiment une application géniale. Alors sachez que je suis pas du tout obligé de vous dire que l'application est géniale, je pourrais très bien vous dire c'est de la merde et ça me rapporterait tout autant d'argent. Le truc c'est que j'ai vraiment bien aimé les mecs, tout simplement. Alors passons au vif du sujet, ça consiste en quoi? Alors comme vous le voyez sur l'écran, en fait, quand vous êtes joueur de foot, par exemple en professionnel, en amateur, en semi-pro, souvent on se dit quand même quand on fait du foot, j'aimerais bien savoir mes stats. C'est quoi mon nombre de buts marqués? Mon nombre de passes décisives? Le nombre de fois où j'étais homme du match? Personnellement, quand je faisais du foot, c'était des stats qui m'intéressaient de ouf. Mais où les trouver? C'est vrai que ça avait les sites de la Fédé, etc. Mais c'était nul, c'était pourri, tout simplement. T'as même peut-être des fois le site de ton club, mais c'est pourri. Tu peux pas te comparer aux autres de ta région, tu vois, tout simplement. Ou même de France, puisque ça, c'est un truc qui concerne toute la France. Tu veux pas vraiment te comparer. Et puis, je vous le dis, pour les mecs qui ont envie de s'épaire un peu, tu vois, dans le football, qui veulent devenir peut-être footballeur pro, je sais qu'il y en a forcément devant la vidéo parce que j'ai une chaîne 100% FIFA. Et bah comment se montrer? Et bah sachez que sur cette application, c'est très facile. Vous créez votre compte, tout simplement, votre profil avec Facebook, comme ça c'est directement votre compte, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous rejoignez votre club, sachez que la base de données est infinie, il y a tous les clubs de France. Vous rejoignez votre club et ensuite tout est parti. Ensuite vous rentrez votre profil, là par exemple moi je l'ai fait, je suis français, gaucher, je suis dans le 97, etc, ma taille, mon poids, tout ça, tout ça. Ensuite quand tout ça c'est fait, bah c'est simple, vous allez donc sur l'application, vous rejoignez votre équipe et ensuite vous dites à tous les gars de votre équipe de rejoindre l'application aussi, comme ça tout le monde est sur l'appli, vous avez toute votre équipe et comme ça à la fin des matchs, vous rentrez vos scores, vos buts, les passes décisives, les notes, les hommes du match, etc, etc. Ensuite, tout est répertorié et vous pouvez comparer avec toutes les équipes de la région parisienne. Il y a comme chaque semaine des équipes de la semaine. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà l'équipe de la semaine par exemple qui est juste ici. C'est la Team of the Week. Où vous pouvez cliquer donc sur les profils des joueurs qui ont été les meilleurs joueurs par exemple ici de la Ligue U17 de l'Île-de-France tout simplement. Donc sachez qu'il y a déjà énormément d'équipes qui sont inscrites. Moi par exemple, là j'ai rejoint l'équipe, vous le voyez ici, l'équipe de Boulogne je crois. Donc voilà l'équipe de Boulogne en U17. Alors ensuite, comme tu le vois, tu peux aller voir le classement. Donc là c'est plutôt classique, hein, le classement de ton équipe. Par exemple là je vois que Boulogne, Billancourt est premier avec 8 points. Que dernier c'est Bretigny, Torcy, Paris, etc. Ça c'est sympa, mais ça vous allez me dire c'est pas ouf. Mais regardez, vous pouvez voir les buts. Et ça, aller voir les buts c'est sympa. Tu vois que Darrell Tocpa il a 2 buts. Que derrière il y a Lucas qui a 1 but. Au niveau des passes décisives, voilà on voit les passes D. Au niveau des votes on peut voir, donc c'est les votes je pense d'hommes du match. Là on a le nombre de fois deux joueurs qui ont été hommes du match. Donc voilà, niveau statistique, c'est ultra complet. Et sur tout le championnat, parce que regardez, par exemple, si je vais dans cette équipe de Boulogne, là que j'ai rejoint au pif, hein, voilà. Regardez, l'équipe, elle est complète. Regardez, tout le monde a rejoint. Il y a les postes. Regardez, par exemple, Alexandre, il est gardien. Lui, il est goal aussi, double goal, voilà. Défenseur gauche, défenseur centraux, voilà. Toute l'équipe a rejoint. Et donc, ça leur permet, eux, ensuite, de marquer les matchs. Par exemple, là, on voit qu'ils ont gagné 6-0 au centre de formation de je ne sais pas qui. Je ne vois pas le club. Au centre de formation de Paris, par exemple. Et là, on peut regarder, vous pouvez tout voir, il y a 6-0. Vous avez la formation qui est marquée ici. Donc eux ils n'avaient pas de compte, enfin si en face il y avait le gardien qui avait un compte. Et vous voyez ça suffit parce qu'au final si vous êtes un seul vous pouvez marquer toutes les notes de tous les joueurs de votre équipe. Tout simplement. Donc là vous voyez que là, toute l'équipe était là, on a vu qui a marqué. Donc voilà vous voyez qu'il y a deux buteurs, les deux buteurs ont marqué un but. Ensuite le milieu de terrain qui jouait peut-être numéro 10 a marqué aussi. Et ensuite un but du défenseur central, peut-être sur corner à la Sergio Ramos. Donc voilà les mecs, c'est une application que je tenais à vous présenter. Pourquoi? Parce que c'est une application qui, quand je faisais du foot, m'aurait énormément servi, tout simplement. Je dis pas ça parce que c'est rémunéré, je dis ça parce que
parce que je suis de bonne foi avec vous et que c'est une application que j'aime beaucoup. Moi, je sais que je fais du hand actuellement et qu'il n'y a pas ce genre d'application pour le handball. Et je sais que s'il y avait ce genre d'application pour le hand, ça m'aurait intéressé. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce placement de produit plutôt intéressant à vous présenter. Donc voilà, l'application c'est Tonceur. Le lien est dans la description. Vous pouvez le télécharger sur l'App Store, Samsung, etc. C'est disponible sur toutes les plateformes, les mecs. Donc voilà, par exemple, là vous voyez... Jules, le youtubeur, hein, Jules, welcome Jules, il a rejoint le club de Meudon par exemple, hein, Jules qui joue à Meudon peut-être, il a mis son profil, etc., son poids, sa taille, tout ça, et là il a rejoint son club de Meudon et il peut suivre son équipe, regardez, Meudon, ils ont tous mis leur poste tout simplement, et c'est génial, et donc tu peux suivre par exemple les statistiques de welcome Jules, de tes youtubeurs préférés par exemple. De plus les mecs, si par exemple t'es motivé, tu peux aller sur Snapchat et m'envoyer par exemple... le club dans lequel tu joues et me dire tiens Jorka va voir le score qu'on a fait et moi ça peut m'intéresser tu vois si t'as fait une bonne prestation frérot eh ben peut-être que je te défierai sur FIFA peut-être si t'es chaud si t'as mis un triplé par exemple si t'as mis un seul but genre Gomis l'a fait c'est bof. T'as mis un triplé gros, il y a moyen que je t'affronte sur FIFA et je te mette à racler, peut-être. Donc voilà les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les mecs, c'était Joe. N'hésitez pas à télécharger l'appli, hein, ça mange pas de pain et puis au pire, si t'aimes pas, tu dégages. Hein, voilà. Allez, c'était Joe, la bise.